Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la rénovation d'un Mauser sous plusieurs jours. Alors c'est parti. Hein. Autre chose, j'ai essayé de décoincer quelque chose, je ne sais plus c'est quoi le nom, pour pouvoir faire la classe mobile. Bien entendu, il faut lui donner de l'amour. Tu le sens, mon amour ? Oh ! Tiens. Arrête de me regarder comme ça. Bon alors, bien évidemment, le plus dur, ça a été d'enlever cette putain de rouille qui coinçait toute la mobilité du truc. En fait, c'est une sorte de petite languette, si j'ai bien compris, qui sert à rajouter une culasse, que je n'ai pas encore. Et, le plus dur, ça a été d'enlever toute la rouille en évitant de casser le truc. Voilà, c'est ça. Avant, il était soudé par la rouille, mais ensuite, j'ai réussi à le décoincer et à le rendre plus fluide. Évidemment, Houston m'a donné un petit conseil pour pouvoir retirer plus facilement la rouille. Vous le croyez pas, ce con ? Regardez-le avec son petit air satisfait, la nique ta mère. Ah ouais, vous rêvez pas, il est en train d'utiliser le chalumeau sur une putain d'arme qui a sûrement une balle à l'intérieur, hein, par hasard. Merci Houston de m'avoir donné ce conseil qui est plutôt suicidaire, sachant qu'il y a une douille dans l'arme. Merci Houston parce que je me suis éclaté et j'étais plus badass qu'utile à cette chose, mais ça m'a beaucoup aidé pour la rénovation du fusil. Alors on passe à la suite. Regardez-le, ce con là en train d'essayer de gérer. Il y avait un truc qui me gênait par rapport au viseur que j'ai essayé de régler, mais que je n'ai toujours pas réussi à régler. C'est les sortes de fins traits, de fins bâtons en fer sur le viseur qui étaient dessoudés par la rouille. Et j'ai essayé de le ressouder avec ce chalumeau, comme vous pouvez le voir, c'est étonnant à quel point je n'ai pas eu retour de flamme. Je me demande encore comment ça se fait que j'ai encore envie, et je vous laisse sur ces belles images. Vous voyez cette petite baguette là? C'est une baguette de nettoyage totalement soudée à l'intérieur, donc on va essayer de la dessouder. Ça risque d'être dur, mais on peut la dessouder, allez. Vous vous rappelez à quel point c'était dur d'ouvrir et de refermer la lamelle là ? Et bien maintenant, c'est un petit peu plus facile de voir. Et tout de suite, une page de pub. Non, je déconne, la fin. J'ai réussi à enlever beaucoup, beaucoup de rouille sur le canon. Allez, sur ce les potos, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que je m'appelle Alpha, salut.